Et pourquoi qu'on n'y retournerait pas? Oui, dans ce Fatal Frame, volume 5. Et enfin, cette disponibilité sur un PC. Ah, c'est beau, je suis encore ému, moi. J'arrive pas à m'en remettre. Oh là là, 20 ans, c'est long quand même. Bon, 5 ans pour ce volume, mais 20 ans pour l'origine. Je désespère pas qu'il y ait des remakes des premiers volumes, qui étaient quand même vraiment bien sur le storytelling. Alors nous sommes quelque part dans les bois et je pense que j'ai trouvé une collègue que je recherchais et il faut que je la ramène sauve à un endroit donné, il me semble. Si je raconte pas d'énormité. Problème, nous sommes dans la forêt de Frottman. Oui, ici sont morts des gens qui aiment se frotter. Et maintenant ce sont des fantômes et ils ont envie de tous nous attraper et nous frotter inexorablement. She's here on the mountain. Have you seen her? No, but she's here. Le son n'est pas très fort chez vous. I'll go and look for Haruka. Let's go back. Alors, on doit retourner tout en bas. Viens, Pépette, suis-moi. Mais suis-moi vite, sinon il y a des fantômes qui vont arriver. Il m'aide pas à l'autre. Ok, je me démerde. Ah, j'avais une vision qui me permettait de me retrouver, mais là, on va essayer de faire ça à l'intuition. Non, ça marchera pas. On va le faire ça à la carte. Ce sera vachement bien. Eh bien, grosse, on court. C'est trop bien de courir la nuit, à moitié à poil dans les bois. Non, c'est l'autre. Bien tenté. Toujours tout droit. Toujours tout droit. Oh putain! Reste là, il y a des cons là. Ah, oh, pop, hop! Ah! Une bonne reculée. Allez, je suis allé un peu vite, ouais. Plus important de leur tirer dans les boules. Ah, ils viennent de partout, les salauds. Ce combo ultimate. Vous devriez mourir là les gars. Moi je vous le recommande. J'ai géré comme un dieu. Qu'est-ce que l'on dit Pépette, ça va? Bah. T'as eu peur? T'as eu peur? Serre-toi contre moi. Vas-y, je vais te réchauffer. C'est pas ce genre de jeu, c'est pas un date. Oh, pff, on me dit rien, moi. Alors, du coup, ça en a profité pour me foutre le bordel. Je sais plus où je suis sur ma carte, faut aller tout droit.
Attention, chérie, tu vas te souiller tes chaussons. Oh, elle est froide en plus ce soir. Elle arrive la tanche ou. Ouais, Moonwalk toujours. Il y a un petit truc là-bas. Attends, je regarde la carte, si jamais. On est au bon endroit là? Oui. C'est juste qu'il faut qu'on aille là-bas tout droit. Oh là là, ça va être dramatique. Ok, on y va. Est-ce que je fais le détour jusqu'à ça? C'est pas très raisonnable ça. Hein. On va se taper des fantômes et tout, ça va être là. Non. Je suis dans quel sens là? Ah mais moi je suis pas doué pour ces trucs là. On tabasse. Allez, go 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 go, on n'a pas le temps là. Les fantômes vont arriver, tout ça. Il va y avoir une mimine, c'est obligé. Alors, reprenons. Nous, pas pouvoir traverser. Pont cassé. Nous, aller tout au bout, comme des andouilles. Mais, Fouyuhi, tu vas où? Oh non, ça recommence. Ça, c'était un flash gratuit. Saleté de l'enfant. Ah, lâchez-moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas de stylo. Foutez-moi la paix. Ah, oh, les mioches. Oui, joli, joli, joli. Où c'est? Où c'est? Oh, bah là, t'as vu personne, madame, ça règle rien. Too late. Celui-là était bien. Arrête de cavaler, mais arrête de cavaler, tu sers à rien là. Encore? Non mais arrêtez les gars. Suffit! On a assez joué, j'ai perdu ma collègue. Si ça se trouve, il est arrivé des choses. Et je comprends rien de ce que vous dites, les chiards, de toute manière. Gros. Monsieur K est colère. Oui, carrément. Bon, Pépette, t'as la clé, toi? Haruka, she's here. Je sens une présence. Ah. Bien, bah on va pas. Foufou, tu me suis? T'arrêtes de faire la con 2 minutes? Allez, viens, donne-moi la patte. Non, elle peut pas donner la patte. Ah, c'est dommage. Bon, Foufou, je t'explique. Tu vas pas rester là à 107 ans, on s'en fout. Allez, on y va. Si encore les mômes à cause de toi, je te garantis que je vais faire une crise de nerfs. Parce que repopper, c'est pas sympa. Oui, on les a vus déjà en partant. Et on les a re-eus en revenant. Je voudrais pas que ça se reproduise. Non. Parce qu'on n'aime pas trop les choses qui se reproduisent par chez nous. Elle est où la grosse là? Hé, mais qu'est-ce que tu fous? Elle te mène pas surtout. Fais comme si t'étais en train de déambuler dans un rayon lingerie, mes mères. Oh là là. On va pas y arriver. Hein. Moi, je veux bien mettre de la bonne volonté, mais. Oui, je sens la présence d'une présence présentable qui présente
des présents à l'approche de Noël, voyez-vous. Et en fait, on a flippé pour rien, c'est une connerie qui est posée sur un papier de chewing-gum. Ah, on y va. Oh, regardez, un papier de chewing-gum. Attention, la mimine. Et en plus, il se met à flotter. Non, mais vraiment, vide, je suis pas terrible, quoi. Alors, on va aller faire un petit tour. Non, non, non. Est-ce que j'ai accès à un menu caméra pour l'équiper? Non, c'est pendant que je suis en train de l'utiliser. Ok, on verra ça à l'arrache. Et où qu'elle est partie cette tonche? Là-bas? Non. Oui? Non. Non. Si. Non. Mais si, enfin. Bon, on y va. Ah non, mais c'est ce que je dis, il faut que je la trouve. Ok, je suis réellement revenu au début en boulet mode total, vous y croyez les gars? Alors faut que je trouve Yuri. Mais j'ai aucun indice de où c'est qu'elle va être Yuri. Moi je veux bien les gars. Donc je vais recontinuer mon exploration sur les différentes parties que j'avais pas aventurées. Notamment ça au milieu, ça peut être bien. Et ça à droite peut-être. Go go go. Où vais-je? Ah, oh, il se tente ce petit cul-de-sac, non? C'est un cul-de-sac? Ouais, non. Oh, ça va être sympa ça. Comme elle se retourne. Alors j'ai tendance à tourner en dérision le jeu, mais je vous garantis que en fait quand on joue sérieusement, c'est-à-dire pas comme dans ce stream, et qu'on fait ça le soir, bien tranquille, dans le noir, ça fonctionne bien. Alors j'ai pas pour réputation d'être particulièrement émotif concernant les scare jump, mais il se trouve que j'avais un public avec moi qui était assez friand du truc et qui n'a pas manqué de hurler à ma place à moult occasions. C'est vous dire si le jeu fonctionne. C'est les paroles de chanson. Bon, en tout cas, en 2021, ça a toujours choqué personne que des meufs se trimballent en mini-jupe, à moitié à poil, dans la forêt la nuit quand il pleut. Moi, c'est quand même un truc, ça me fait un petit poil barre. On sait très très bien où se trouve le fan service qui fait aussi le succès du jeu, on va pas dire le contraire, hein. Alors on avait commencé à entamer à droite, il me semble. Oui, je fais ma blonde, hein. Moi je vérifie toutes les 2 minutes maintenant mes trajets parce que je fais que des conneries. Je me connais. Mimine. À chaque fois on relâche quand on entend le bruit, parce qu'on sait pas si c'est la mimine ou un bonus. C'est assez tragique. Où vais-je? Oh, ça a l'air bien. Ah oui, ça a l'air très bien.
Ah, je vous l'ai dit, quand il n'y a plus de voix de narrateur, ça calme. On va tout visiter, on va faire ça bien. Bonne initiative. J'aurais dû faire un dodge. Retourne-toi. Thank you.
Alors, est-ce qu'on peut la buter? Parce que je commence à avoir le doute maintenant. Parce que j'ai plusieurs types de pellicules. Donc ça se trouve, ma peloche est pas assez forte pour lui faire du dégât, je sais pas. Pour l'instant, c'est très long. Ce fut laborieux. Haruka, Ryuhi, Ryuhi, Haruka, Ryuhi, Ryuhi. You've seen too much. You cannot leave the mountain. You will dissolve into nothing. Ah, ça a pas fait le malin sur ce coup-là. Donc je vous avais dit, le jeu, qu'on arrête de faire le couillon dessus en commentant, l'ambiance fonctionne vraiment très très bien. C'est mis en scène de manière très talentueuse. C'est assez génial. Du coup, je sais plus ce que je dois faire. Parce que j'ai essayé de vous retranscrire ce que vous avez vu, mais
Faut jouer en fait à ce jeu. Parce que c'est. Parce que c'est. C'est beaucoup plus prenant d'y être manette en main que juste regarder. Et je vous disais tout à l'heure, oui, il y a des gens qui hurlaient quand même en étant juste spectateur du jeu. Et c'était plutôt rigolo. Du coup, j'ai pas suivi ce que je devais faire, les gars. C'est pas que je suis un boulet, mais. Elle est où ma. Tout à l'heure, j'avais un autre menu, merci. On va y arriver. Ah, j'ai mes photographies. Que de souvenirs, c'est magnifique. Ah, c'est des temporaires, il faut spécifier quand on veut sauvegarder les photos, ok. Bon, je le saurai pour la prochaine fois, tant pis pour moi. La liste des fantômes. Une petite encyclopédie. Ça, c'était le mec qui prend le son, qui déconne. Mais oui, pour revenir à ce que je disais. L'ambiance est quand même assez fabuleuse. Et même si la géométrie n'a pas été améliorée, tant que ça par rapport à la version Wii, j'imagine, le jeu fonctionne très très bien pour ce qu'il a à faire. On va continuer notre chemin. Hein. Alors moi, il m'indiquait de passer là-dessous, d'aller là. Là, on n'ira pas loin de toute façon. Allez. On est une bonne candidate. Il y avait un RT par là. Il a mis un right trigger à un moment. Oui, des fois on passe devant des trucs et. Bordel. Alors le jeu est très vachard sur ça. Et je l'accuse un petit peu en douce de s'arranger pour mettre la tension. Et. Quand le joueur a pas assez souffert, lui rajouter un petit peu des heures. Ok, c'est bien de le spécifier parce que je me demandais où aller. Regardez, il ne va rien se passer. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc, plic, plic, ploc. Oups. Ça va peut-être faire un peu beaucoup de monde pour moi, ça. Alors c'est vrai qu'on a les narrations qui s'entrecroisent. C'est assez marrant. Parce que du coup ça aide pas du tout à détricoter le scénario. Même si on se doute un petit peu de certaines choses vu que c'est pas... On verra.
die with me. She's beautiful, but she looks sad too. Yeah. Isn't she the type of woman that you get nervous around? Yeah. There may be more of this stuff out there. Shall I call Hisoka? No, let's go there ourselves. It'll be quicker that way. At this hour? It won't take long. So then, shouldn't you take the camera obscura? You haven't used it yet. This could be your chance. People say there's something off about that place. Okay. Oui, bah c'est old school, ça a pas bougé. Il faut toujours l'item pour pas que le joueur passe 5 jours à chercher dans ce décor très encombré. Et je le rappelle, ça va pas s'arranger avec les moteurs graphiques qu'on a maintenant. Et ça va devenir vraiment un problème de faire des jeux où c'est très très complet visuellement. Mais c'est très dirigiste par suggestion de l'aménagement.
Et de quoi faire. Alors je répète, c'est quand même regrettable qu'un éditeur de cette taille soit pas foutu de livrer son jeu avec au moins les traductions texte. Parce que il y a une chouette narration, et pour en profiter pleinement, bah, ce serait bien, malgré que l'anglais soit pas de haute volée, que un maximum de gens puissent en profiter, et qu'il y ait de la localisation. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je suis en train de bouquiner et d'expliquer aux viewers. Oh. There's a local superstition warning people not to go up Mount Hikami after dusk. If you climb the mountain in the twilight hours, it'll show you a different form. Its true form. Only those who wish to die come here at that time. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on y va. I think that's the inn where the album was found. This must be Ichiru Manor. So, do you think you'll be able to use the camera obscura? I think you should try it out first, just to be sure. Okay. Oh. Un appareil photo motorisé. Oui, je fais un petit tour, on sait jamais. Is the camera working? Oui. Well, you look like you, so yeah. Is that a good thing? We should go. Alors cette fois, je vais faire les côtés que j'ai pas visités la dernière fois. Oui, je vais tracer tout droit. The part that's further back inside, it was part of some temple or shrine. After it became an inn, the proprietor's family lived here, but it doesn't look like anyone's been here for a while. There was a massive landslide that hit Mount Hikami. Maybe they were all buried under the rubble. Hey, it looks like the album you asked for was found in the old building. Mm-hmm. Yeah, sure looks that way. Tu m'intéresses. Il doit y avoir une petite cartouche de... Eh non. Ok. Bah. Nous on doit aller où du coup? Eh ya, on va où? Ah, l'autre part, donc ça doit être ça. Coucou, c'est nous. Ouais, c'est nous qu'on est l'orchestre. Oui, comme dans les Blues Brothers. On joue tout type de musique, country. There's something weird in the neighborhood. Who you gonna call? Gamowski. Je vous casse un peu l'ambiance. Alors on est déjà venu ici avec une autre protagoniste. Je vais faire le mec un peu con. Hein. J'aime bien. Et puis je le fais tellement bien. Pff, tu m'as fait peur. Et on a exploré déjà. Donc on a une petite idée de la topographie, ça aide. Maintenant, il n'est pas dit qu'on aura les mêmes
piège. Gentille ou méchante? Bonne question. Pour l'instant, inoffensive. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Est-ce que je peux passer? Ok, il a pas trop envie que je passe le lascar. Bon, Pépette, on va faire demi-tour, si tu veux bien me laisser passer. Merci. Alors là, je commente parce qu'on est en stream. Mais je vous garantis que quand je joue tout seul à ce genre de truc, c'est vraiment tout éteint à la maison. Et je me fais plaisir, quoi. Et s'il y a quelqu'un avec moi, je lui demande de pas faire de bruit. Et c'est vrai que du coup, le jeu prend une dimension assez chouette. Parce que chaque chose est exactement à sa place. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Parce qu'il y a une tension qui se fait, qui monte doucement. Pourquoi je fais par là, moi? Ouais, c'est la bonne direction. Et dans de longs moments, comme ça, où vous avez du calme, et que d'un seul coup, il se passe quelque chose, ah oui, forcément, ça surprend. Et la réaction doit être assez rapide en général. Oui, j'aime bien voir ce qu'il y a sur les côtés quand même. Comment je lui ai flashé sa tête ? Ah oui, c'est vrai que ça met 2 heures à recharger hein, quand on fait une rafale. Merde ! Ah, c'est la faute à ma collègue que j'avais dans les pattes, elle m'a dérangé. Quoi ? Ça vient d'où ? Ah. C'est vrai que c'est les fantômes, ils ont la possibilité de se balader qu'on n'a pas nous. Alors on est régulièrement obligé de se déplacer. Pour trouver un meilleur endroit. Ah. Bon débarras. Oui, agonise, agonise. Méchante chose. Et ouais, ce fonctionnement d'ambiance est vraiment agréable. Donc si vous avez envie de vous faire une frayeur, mais pas une frayeur comment dire, j'allais dire trop vulgose, mais c'est voilà, vous savez que vous n'êtes pas dans une situation safe, vous sentez venir les choses, mais c'est foutu d'une manière très très agréable. Et c'est comme un film interactif quoi, en beaucoup mieux. Alors le truc marrant, c'est que du coup, avec plusieurs protagonistes, on découvre les mêmes lieux différemment et on peut accéder à des endroits auxquels on n'avait pas accès avec les autres. Donc c'est un avantage d'un côté parce qu'on a une connaissance de l'endroit, de certaines pièces, mais il y en a d'autres qui nous sont totalement inconnus. Et il y aura probablement des choix à faire sur les visites pour éviter des rencontres qui au bout d'un moment vont devenir vraiment très désagréables et collantes.
Alors, ça parle toujours de ces. Je vous ai pas traduit hein, tout à l'heure, parce que je vais faire ça pas terrible. Mais il y avait tout un développement dans l'ouvrage qu'on a consulté précédemment qui parlait de photographie post-mortem. C'est-à-dire les gens qui se contentent pas juste de faire une immortalisation du dernier portrait en état de quelqu'un de perdu, mais qui le met carrément en situation de tous les jours, comme s'il était encore en vie, ce qui est assez étrange. Et c'est une chose qui s'est pas mal développée apparemment au Japon avec l'arrivée de la photographie. Je sais pas où elle est. Je sais pas où est mon truc. C'est dur d'expliquer quelque chose et puis de chercher un événement qui n'arrive pas. Je ne sais pas. Il est où le truc? Bon, je vais faire une photo de toi, t'as l'air d'insister. Je la. Ah oui, ça pique hein, dans la gueule. Oui, j'étais avec des photos limitées en plus. Faut que je mesure mon ardeur. Mais ouais, et donc il prenait des photos des gens remis en situation comme s'ils étaient encore vivants. Ça peut paraître assez glauque hein, selon la culture qu'on a. Nous, ça nous paraît glauque, c'est clair. Et là-bas, c'est ce dernier au revoir, quoi. Histoire de le symboliser une bonne fois pour toutes, puisque ce sera plus possible après, quoi. Du coup, oui, rageons tous ensemble que ce jeu ne soit pas traduit, parce que ça l'exclut d'un public qui aurait beaucoup aimé se faire peur et qui n'a pas forcément les notions pour profiter de tous les textes. Et toutes les subtilités de la narration, ce qui est vraiment dommage. Oui, je tiens à voir ce qu'il y a dans ce placard à chaque fois. Même s'il n'y a rien. Un placard qui s'ouvre dans un jeu. Non, tu veux pas. Ça te paraît normal. Ok, bien. Non, j'ai un check là. Objectif, les gars. Dans la salle d'observation. Ah, j'ai pas vu par derrière. Je sais plus où je suis. Oh le bordel.
Putain, à chaque fois je me gourde de touche. Quelle longue agonie. Oui, alors la fourberie, c'est que les fantômes, on sait jamais s'ils sont crevés, quoi. Ils mettent vraiment du temps à agoniser dans d'horribles souffrances, tant qu'à faire. On a plein de super photos en tout cas. Ça va, toi? Non, parce que moi, je. Ah, bah, franchement, c'était. Moins une, quoi. Est-ce que ce serait là-haut? On n'est pas allé voir au-dessus, dans l'escalier. To the stories after the landslide, the owner of the inn moved to the third floor. They say he burned himself to death there, or that he threw himself into the lake. Ah, zut, c'est de l'autre côté. A common enough story. Tell me about it. Since then, they say that if you look up at the third floor veranda, you'll see someone looking back down. Really? I'm sorry. Alors, ça va être chaud chaud quand je vais rechanger de protagoniste, puis que je vais retomber avec la miss, et qu'il y a l'histoire de l'eau noire qui vous infecte et vous donne des dégâts permanents. Ça veut dire qu'en plein combat, ça se trouve, va falloir qu'on se débrouille à. En plus de se débarrasser des fantômes, bah shooter le. Se débrouiller pour repousser l'infection. Ça promet des moments qui risquent d'être vachement inconfortables. Enfin, j'ai le doute sur le côté pratique du. La jouabilité de ce mode là. Dieu, ramasse ça. Et ça recommence. Et ça recommence. Alors l'autre, je crois qu'il nous guide plus ou moins là. Mais moi je suis bien de ce côté, je trouve. Hein? Ça vous donne un peu la gerbe de tourner comme ça? Oui, je sais. Je vais essayer d'écourter. Je m'en doute un petit poil. Alors, attends. Ça, c'est un des trucs du jeu qui est vraiment bien trouvé. L'histoire de. Faire parler certains endroits. Alors, c'est dans la trappe, la fameuse trappe qu'il y avait en bas. Ok. Ok, on a tout compris. On y va. Là. Imaginons que oui. Le problème c'est j'en ai déjà une. Je n'ai pas remarqué l'avoir pris en photo ce truc. Voilà. Voilà.
Je vois pas cette histoire de choses. Bon. On va essayer de se dépêtrer de cette histoire. Prends une photo qui correspond à une que vous avez déjà. Alors moi je veux bien, mais il n'y a pas d'embrouille avec ça. J'ai juste pas compris comment on le fait. Pas compris, on va être obligé de s'abandonner là-dessus parce que j'ai pas pigé ce qu'il fallait faire, c'est triste. C'est en dessous du triste. Ah merde, 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 merde. On reprend calmement. Oui, j'ai fait une pause. Ça m'est énervé de pas trouver l'ongle. On va chercher dans les photos qu'on a en stock une photo existante. Bon, c'est pas terrible. J'ai fait elle? Ouais, j'ai fait elle. C'est dans les enregistrements, en fait. Oui! Regardez. Oui, c'était pas très pratique, en fait. Il fallait aller tout simplement dans ce menu-là. Enfin, tout simplement, vous avez vu la manip, c'était pas si simple. Et chercher dans les archives des clichés qu'on a ramassés. Ou qu'on a réussi à capter mentalement, je ne sais pas, une image existante de l'endroit où on est et essayer de la reproduire. C'est ce que je vais faire maintenant en live devant vous, attention. Zwip. Ah, vous allez voir que j'y mets de la bonne volonté, hein. C'est pas que je fais exprès de faire le boulet. Un carreau et demi à droite, quasiment. On est trop près. Ouais. Agreed. Et là, franchement, les gars, dites-moi pas que c'est pas ça. Ah, papy! En fait, c'est tout simplement parce qu'il fallait la gâchette gauche en même temps pour déclencher le mode photographie psychique. J'ai envie de mourir. Comment perdre du temps? Ça sent la joie, ça sent le bonheur. Ça sent le trou dans lequel on a envie de passer la main. Elle est où la meuf qui est avec moi? Miss, tu veux pas mettre la main là-bas dedans? Non, bah je te couvre, j'ai un appareil photo moi. Bon, d'accord. Ça sent la mimine qui intervient. Ah. Oui, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on se penche pour interagir avec un objet, on a un potentiel event random qu'un fantôme passe la main pour essayer de vous attraper. Et ça vous fait perdre de la vie cette connerie. Et vous ragez parce que l'event des développeurs eux-mêmes, hein, est complètement random. Vous pouvez pas l'anticiper. Il n'y a pas de routine qui permet de dire ah, là, je sais que je vais me prendre la main. Et là, c'est safe. Alors, on va retourner là où il nous a dit. À l'étage. Je sais même plus où on est. Ouais, ça doit être à l'étage. Ça sent le bonheur ici. Hop, hop, hop. Putain, à chaque fois je me gourde de touche. Où il est? Où il est? Où il est? Où il est le bébé? Le bébé il est où? Il est où le bébé? Oh. Viens, viens, viens.
Je crois qu'il l'a senti celui-là. Alors on peut toucher les fantômes, une fois qu'on les a neutralisés, pour revivre un peu de leur vécu. Un vécu qui n'est pas obligé d'être agréable, apparemment. On y va, vite fait. Alors, est-ce que je me rappelle où c'est? Il y a un escalier qui est ici. Oui. Non, je crois pas que ce soit le bon. Si. Que je me remette la map dans la tête. Oui, oui, c'est très important. Bien qu'on y passe, on y repasse avec les différents personnages. Il est vraiment, on sait plus trop où on est. Je crois que c'était... plus ou moins en face. Il y avait une porte verrouillée. Non, c'est pas là. Oh, oh. Il bouge plus, mais il est pas. Il continue quoi, le joke. Je sais pas pourquoi. Il a été stun. Bon, là je crois qu'il a été. Non, il a pas été neutralisé. Sérieux? Crève, nom de Zeus. Il va pas nous lâcher, lui. Oh, purée. Yes, on va y aller. Are you all right? Yes, I'm fine. Est-ce qu'on entend quelqu'un? Non. Par là-bas, c'était, il me semble. Oui, comme Yada parlait, je vais. Bah oui, mais c'est pas pratique pour pouvoir la shooter. Et elle n'y est plus. Véritable fantôme. Ok, ça va bien se passer.
Ok, il y a plein de trucs dans lesquels j'ai pas fait gaffe dans l'inventaire, notamment les améliorations dont il faudrait peut-être que je m'inquiète un jour. On va s'inquiéter d'abord. Lens camera. On va voir. Enhancement. Ok, j'ai déjà passé des points. Donc on a des points qu'on récupère quand on flash les fantômes. Ça nous permettra au fil de l'aventure d'améliorer différentes choses. Bon là j'ai pas grand chose pour améliorer quoi que ce soit. Mais voilà. Et toutes ces belles photos que j'ai fait. Je crois que je vais en sauvegarder quelques-unes. Regardez, c'est magnifique. On se croirait dans un jeu avec des fantômes. L'interface est un peu lourde quand même. Mais bon. Oui, on se dit tous ça d'ailleurs. Et on est pressé d'y aller. D'un air dégagé. Avec cette démarche typique décontractée, inspirée du flegme anglais. Qui permet au héros de tranquillement se balader. Celle-là, je vais la vendre cher à BFM TV. Pas de mimine. Pour l'instant, le random est avec moi. Il faudrait que je reprenne de la santé, par contre. C'est très old school, ça c'est rigolo quand même. On va se mettre en pleine santé quand même, histoire d'être bien. Je vais regarder les autres items qu'on a, tant qu'à faire. Alors, ça remet tout. Ça c'est si j'ai un fantôme qui m'englue dans l'eau obscure. Ok, ça je sais pas comment m'en servir, mais on verra bien. Mes munitions. Et des collections de clés qui vont grandir. Action. Un pendu. Où est-ce que je pourrais trouver un indice? Mais où c'est que je pourrais trouver un indice? Ah mais vraiment, peut-être par là? Oui, j'adore faire le clown avec ça. Mais je le réitère, ça va pas s'améliorer avec les prochains jeux. Parce qu'on a des environnements qui sont de plus en plus détaillés. Et je suis le premier à me perdre et à passer devant des objets importants des fois. Mimine, il y a une mimine. Oh là là, j'ai le cul bordé de nouilles. Moi. Et du coup, les développeurs sont obligés de trouver des principes pour mettre les objets en évidence que doit absolument trouver le joueur. Sinon, il reste bloqué comme un cake. Et vous avez vu comme les joueurs ragent quand ils sont bloqués comme des cakes. Je vous recommande de visionner mes streams, vous verrez bien. Comment ça, je me bloque souvent comme un cake? Non. Oh, c'est verrouillé d'un autre côté. On va se débrouiller pour... Pourquoi faut que je reprenne ça encore? Non. Et là, je vais avoir la mémine. Ah bon, il y avait un film, en fait, qui était posé juste à côté, tout connement. Ok, il y a encore des trucs? Moi, je prends, tant qu'il y a des cadeaux. En fait, je dois reprendre en boucle, parce que je dois être plein, ou doit y avoir une connerie comme ça. On va laisser tomber. Petite jogging, petite foulée. Décontractée. Cette porte doit s'ouvrir, donc. J'adore faire les grincements dans les jeux.
L'homme qui regarde quelque chose, me sera-t-il utile? Certainement, il devait regarder quelque chose de super intéressant. Et j'arrive pas à traduire charade, mais bon, je compte sur vous. Looks like there was a fire. This must be where the innkeeper moved. Yeah, I know. J'ai un gros indice. Ah, un objet à trouver dans le bon angle. Ah, ça chauffait là. Quoi, on n'est pas bon? Oh, bah fais pas ça. Reviens. Fantôme exposé. Quick time event? Putain, je me cours de touche en plus. Rui, what's wrong? Is something there? Yes, there's something weird. Elle joue la pépette. Allez, tu te cordes. Je crois qu'il s'est glissé, il y a quelque chose. Ah, ah. Rigole. Remember anything? Let's go home. You cannot leave the mountain. Look. You will dissolve into nothing. Thank you.
Donc voilà, petite pause pour aller trouver ce bouquin. Et on va changer de... On va changer de joueur. Pour un nouveau chapitre. C'est vraiment agréable de revenir dans ce Project Zero. Vraiment, je ne feins pas le plaisir. Parce que c'est une peur qui est saine. C'est une peur qui est vraiment sympa. Les phases d'action sont assez compliquées pour vous foutre la panique. Assez simples pour être utilisées de manière très casse-vue. C'est le jeu du bonheur en fait. Alors on va retourner à Curie. Oui, j'allais continuer la phrase, mais j'avais rien à dire. Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils ont donné quand même des caméras obscura qui sont différentes d'un protagoniste à l'autre. Donc du coup, je me demande ce qu'ils ont glissé sur celle-là. On va quand même se photographier hein, pour le souvenir. Avec un coup de flash, ça va être bien. Vous avez déjà essayé? Essayez chez vous, c'est marrant. Hop, on y va. Est-ce que c'est celle-là? Yes. Non. Mais oui, il faut que je remonte là-haut. La lecture des ombres, c'est ce pouvoir qui nous permet, soit avec la caméra, soit parce qu'on a le pouvoir, de repérer des formes qui nous guident plus ou moins.
Elle fait moi la maligne avec son propre dossier. On y go les amis, je pense qu'on va avoir quelqu'un sur la route, c'est trop simple. Bonjour. Je vais tracer. Et s'il y a des fantômes, là-bas j'appellerai Ghostbuster. Ah, c'est pas celle-là je crois. Merde, on a lu trop vite les gars. Je vais revenir. Oh merde. Il y a beaucoup de monde perdu dans cette montagne, non ? Avec tous les gens qui sont paumés, je finirai bien par en croiser, hein, je pense. Problème, est-ce que ce sera au moment voulu ? Ça en fait des éléments. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, vous commencez à vous paumer dans tous les personnages. C'est que le début. D'abord. Une belle occasion de rappeler. Eh, dis donc, éditeur de jeux vidéo, pourquoi n'as-tu pas traduit en français tous ces merveilleux textes qui sont autant d'éléments qui servent à plonger le joueur dans l'intrigue? Oui, pensez pour les gens qui ne sont pas anglophones. Allons, mon Itachi. Est-ce que je peux pas y aller directos avec la carte? Map. Voilà. On va aller là, nous. Ah ! Bon, on peut aller là. Peut-être. Ouais, ça me va, moi. Non, on peut pas y aller. J'ai rêvé. C'est juste une map qu'on peut consulter, les gars. Faut pas rêver. Oh, comme on s'est fait bananer comme des débutants. Puis, de toute façon, il va nous falloir un combat avec un fantôme. Parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Quand je vais ouvrir cette porte, 1, 2, 3, 4... Il ne va absolument rien se passer. Je l'avais prévu. Vous avez remarqué quelque chose? Non? Ouais, je vais vous laisser 2 minutes quand même. Toujours rien? Vous êtes pas très observateur. Regardez bien. Non, mais regardez pas le décor. C'est moi qu'il faut regarder. Regardez, je suis en punk. Et ouais, j'ai changé de fringue. Je me suis dit, cette pauvre fille... Elle a laissé partir dans la nuit, dans la forêt. Alors avec ses fringues de base, c'était pas possible. Et vous avez toute une série de bonus que vous pouvez déverrouiller. Bah, soit en réussissant certaines actions dans le jeu, soit en achetant avec les crédits qui vous permettent d'augmenter les capacités de votre appareil, ces choses-là, et il y a plein de costumes.
Ah, celui-là, il a donné que des points pour la toucher. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que j'ai repris, j'ai pas eu une seule mimine, alors que je les redoute. Apparemment, depuis que j'ai dit que c'était totalement random, le dieu du random est en ma faveur. Ah, mimine là, les gars. Je suis sûr que j'en ai à avoir deux d'affilée maintenant. Non, ça va. Ça donne super envie d'y aller. En plein milieu, le truc sympa. Quelle panique, il n'y en a pas. Ha!
Ah, je vous avais dit que l'histoire était super bien. Donc du coup, il y aurait une sorte d'illuminé qui serait venu zigouiller les prêtresses. Ça serait pas juste elles qui étaient juste illuminées à la base. Non, non, non. Elles se sont fait donner un coup de main par un espèce de taré qui est venu toutes les décapiter. Rassurant, non? On va suivre notre ami. D'un air dégagé. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh, le joli point de vue, si je faisais une belle photo. Il y a un chemin de l'autre côté. Ne me pousse pas. Non, ne me pousse pas. Non, non. Ah. Oh, c'est moins une, les amis, c'est moins une. Faut bouger, faut bouger. Oh, je me suis fait revoir. Oui, tu vas arrêter ton cirque, Simon, on t'a reconnu. T'es où? Qu'est-ce qu'il fout là? Besoin de quelque chose, moi. Oui. C'est folle dingue. Pas de tomber. C'est sa chute finale qui se répète inexorablement jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'elle a un petit peu pété du bulbe. Ah, j'ai pas pu la toucher, zut. Alors, niveau santé, j'en suis où, moi? Non, ça va. J'aurais cru que ce serait plus dramatique. Elle est courte, elle a du jupe, ouais, je sais. J'ai fait exprès. C'est pas malin de courir comme ça dans les bois pas très éclairés. Chaque fois que je dis Mimine, en fait, y a rien.
Bizarre ce qu'il y a dans la flotte, non? Comment ça, on paranoïe avec ce jeu? Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. Regardez. Tout est cool. Tout est sous contrôle. Non, mais je confirme, elle est très courte. Oui, ça fait partie des recettes de ce jeu. Les héroïnes sont pas taillées comme des personnes normales, avec leurs fameuses jambes japonaises de 10 km de long. C'est un truc très, très japonais, ça. Des filles avec des jambes de 20 km de long. Je crois qu'on est vraiment pas pressé de rencontrer lui. Perds pas la boule. Ah, je crois que c'est fait. Hein. Ok, on y va. Parfois, la fuite, c'est la meilleure défense. Pourquoi? Ne me demandez pas. Je suis en train de réfléchir à un plan. Et j'en ai pas pour l'instant. Et en plus, elle se fatigue pas en courant, donc je vais en profiter. Oh, des fantômes en plus? Non, c'est pas cool. Je sais pas où je vais, j'ai couru comme un dératé. On va dire que, oui, c'est l'endroit où elles se sont fait tuer, et elles vont protéger les Maiden maintenant. Oui, ce qui était ennemi avant va devenir ami maintenant. Ami forever. Est-ce que je me l'affronte, lui? Ah, c'est une sacrée question, les amis. Oh là là, il l'a achevé et tout. Ah, bah non, y a rien là. Ah, que d'émotion. Je pense que j'ai bien fait de fuir. Il n'y avait pas trop moyen de satisfaire la moindre envie. Et en plus, par hasard, je me retrouve du bon côté. Ce qui est plutôt cool. Et on est pile devant le temple aux poupées. Je vais quand même faire une photo si je peux. Pas d'elle, mais des poupées. Alors c'est dommage, il manque une fonction, c'est qu'on puisse s'agenouiller. Oui, là il faut une photo prise de plus bas pour que ça ait de la gueule. On va se la mettre dans nos archives, celle-là. Tiens, je vais regarder si on n'en a pas fait une sympa avant. Avec le Strum en train de faire n'importe quoi. Oui, c'est piqué. On y va. Ah, c'est juste ses fesses, dommage.
Elle est con cette porte. À chaque fois, je me fais avoir. Bon, elle a pas bougé. C'est ça qui est bien avec les statues. Vous pensez ce que je pense. Ouais, c'était à peu près ça. Quand tout ce petit monde va se mettre à bouger. Parce que là, c'est celles qui sont dedans, mais je vous rappelle qu'il y en a dehors. Ou que vous auriez oublié. Des fois, ça fait un peu de la merde. On va y arriver. Pourquoi il me retourne à chaque fois? Oui, c'est parce qu'il y a le guide. Il a pas compris que je voulais me baisser pour ramasser ça. Mimine. Saleté. Alors, on a un plan d'ici. Ok, il y a les portes coulissantes éventuellement, mais j'ai pas bien envie là tout de suite, je dirais honnêtement. Bon, il n'y a pas trop le choix non plus, faut dire. Que là, ça ne s'ouvre plus. Ah, j'ai cru qu'avec l'appareil photo, les poupées avaient disparu. Je me rappelle plus comment on fait le photomode, parce que là, ça vaudra le coup. Bon, tant pis. C'est retenu pour un champ de force. Ça, ça va peut-être pas plus s'ouvrir. Si, je vois. Pour donner sur un mur. Non. Alors, caméra. C'est vrai que celle-là n'a pas été améliorée.
Ok. Donc pendant le combat avec le haut et le bas, je pourrais changer de lentille. Et ça me permettra d'alterner selon que je veux faire plus de dégâts ou ralentir un peu les mouvements du sujet en face. On va voir comment ça se passe. Je pense dans pas longtemps. On voyait pas sa tête. Une clé. Un passage. You found me. You can't die either, huh? I... Ah, you want to go down there. I know you want to die. Before you do, how about a game? What? This is you. It's an effigy. Find me if you can. Ok. Donc va falloir qu'on sorte et qu'on se balade dehors. Sortons. Ça sort pas direct là, c'est fermé. Si. Ok, on veut plus que je sorte, c'est sympa ça.
Oui. Gauche ou à droite? À droite. Alors le check il apparaît des fois. Méchante poupée, méchante. D'ailleurs, on va s'en mettre un petit shot, je pense. Ouais. Alors, c'est étroit ici, pas de mécanisme, rien. Petit passage. En se faufilant là. Garde, elle passe, elle est toute mince. Oh. Déception. En face? Oui, je meurs d'envie d'y aller. Et mourir est un euphémisme. Qui s'ouvre les gars. J'aurais préféré qu'il n'y ait rien quand même. Coucou. Qu'est-ce que tu fais? Vilaine fille, vilaine. Oh, connerie de porte. Ça restera le défaut mémorable de ce volume. Je me rappelle plus si ça faisait pareil dans les anciens, je crois que oui. Ça va être sympa. Il y avait un check là, mais... Par chance, c'est pas l'endroit où il va falloir qu'on cherche notre petite poupée à notre effigie. Ça va être violence. Alors c'est dommage que je retrouve pas le photomode. Faudrait que j'aille prendre dans les commandes où c'est qu'il est. Il y avait un truc là. Non. Non. Non, pas ici en tout cas. Pas dans cette pièce. Oui, monsieur qui est en train de s'égarer dans une pièce qui est simple. C'est une probabilité probable. Il reste une piole. Donc en face de moi, j'ai ça. Et il faut que je trouve une issue qui serait plutôt à ma gauche, à ma droite, à ma gauche.
Voilà, on va enfin pouvoir partir à la chasse à l'arbre. Bon, tant pis pour l'indice qu'il y avait par là-bas dedans. Ah, du coup, j'ai plus personne qui m'aide. Glauque ? Mais non, regardez. Ah, le voilà mon arbre de pendu. Ça mérite une photo, ça. Je suis immortalisé un petit peu tout ce qu'il y a dans l'album. Il y en a pour 2 secondes. Alors, il va falloir qu'on retrouve notre... Bah, j'aurais dû regarder. Notre arbre des morts, des pendus. Ça doit être ça. Quelque chose qui est éclairé par en dessous. Dont on voit pas le visage. On a une bonne candidate à gauche, non? Quel bordel. Alors le jeu essaye de me guider tant bien que mal, mais c'est mal barré. Comment je vais identifier ce truc ? Faut que je relève d'autres indices sur la photo. Bon, c'est plutôt vers le niveau des sols vu qu'il y a des feuillages en bas. Non, non, mais je suis bon, là. Et les mioches encore, encore les mioches. Et voilà, ça recommence. Ça calme ça. Hein.
merde. Ok, il faut retourner dans la maison. Simple. Elle est verrouillée celle-là ? Ouais. Alors je pourrais essayer de la... Non, même pas. J'allais ressortir. Oh, faut que je refasse tout le tour, Damien. Si j'ai envie de passer là, non. Mais tant qu'on m'empêche pas, pourquoi pas? Putain.
sais pas où je suis là. Va falloir courir, madame. Va falloir courir. Oui, tu disparais. Ah, la traduction. Pourquoi vous avez pas traduit ce que racontent les fantômes, les gars? Au moins en anglais. C'est moche. Mais c'est pas grave, on avance. Fini celle-là. Jamais, hein. Encore une.
non, non, non. Je sais pas où je suis, hein. Oh, l'affolement. Ah, je l'avais esquivé, les gars. Oh, les deux à la fois. C'est infection. Bon, c'est qui le boss ? Laborieux, en tout cas. Je sais pas si c'était une bonne idée de passer là-dessous, du coup. Et je suis que là. Du coup, je me demande si je suis pas revenu à mon point de départ. Ah, si ! Non. Si ! Non ! Pas grave, si, mon pote. Oh la vache ! Quelle honte ! Vous pouvez me siffler sur cette action, c'était lamentable. Est-ce qu'on repasse par en dessous, du coup? Bah oui. Bah oui, c'était tellement drôle. J'espère qu'il va pas faire repop les fantômes, parce que là, je vais tracer comme une balle. Oh, le sens de l'orientation de monsieur K dans les jeux vidéo. Et grande joie, ça ne le fait pas IRL. Oui, je me repère très facilement. Avec des objets uniques, comme tout le monde. Mais alors, dans les jeux vidéo, c'est un scandale. Vas-y, pépette, oublie pas qu'il y a un bonus à gauche. Oui, je sais, c'est pas gentil de te faire marcher dans la bouillasse comme ça à cette heure-là, mais que veux-tu? Ouh, je l'ai esquivé celui-là, pour une fois.
Je crois que c'est le premier que j'esquive depuis le début du jeu. Ah, c'est vraiment à la microseconde, quoi, c'est terrible. Là, voilà, les couloirs qui se ressemblent, moi ça marche. Je me fais avoir. Cadeau. Le cadeau dont on se méfie tous. Ok, on va le faire tout de suite, ça. Alors, on a une nouvelle. Merde. Lentille qu'on va pouvoir mettre. Pour récupérer de la santé. En plein milieu d'un combat, faut y penser, mais ça peut être utile. Oui, s'il me le donne maintenant, c'est que... Dans la salle du bout, je dois aller. On a un peu une idée de ce qui m'attend. Du gros. Du très gros. Mais est-ce qu'on a peur? Non! Parce qu'on est des sasseurs de fantômes. Oui, on sasse les fantômes. Habillé en punkette. Avec des talons, tant qu'à faire. Et un appareil photo. Les fantômes, on va vous déchirer! Bon, c'est beau de fanfaronner, mais il va falloir y aller là. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a moins de monde là déjà tout de suite. Hein. Bon, je vais dire oui, vous êtes avec moi. Hein, ça s'ouvre ça? T'es sûr que tu veux l'ouvrir d'ailleurs? Il y a deux portes hein, quand même. C'est... Moi je sais pas quand on met un truc avec deux portes. Ouais, mais t'as ouvert le mauvais côté encore une fois. Purée, la blonditude, faut que j'arrête. Attends. Ah. D'ailleurs, du bonheur. Du vrai bonheur. Du gros bonheur. Oui, petit détail. Hein. Ça risque d'être vif, animé et douloureux, peut-être même. Ça va.
Petite peste. Ah, il y en a encore. Ouais, c'est pas fini. Ce serait peut-être temps de reprendre des vitamines, non? Alors moi je vais faire une petite pause pour l'hygiène ici, parce qu'on est bien avec toutes ces poupées tranquilles, hein. Et puis on va se retrouver bientôt. Alors il y aura le dieu du montage vidéo, Maurice bien sûr, qui interviendra pour faire une grosse émission. En tout cas, ce Perfect Zero, cinquième du nom, bah c'est chouette qu'il soit sorti sur toutes les machines quasiment, parce que les nostalgiques auront grand plaisir à y retourner. Les gens qui découvrent, c'est un jeu qui est intéressant et qui vous donnera envie de parcourir les anciens, même si technologiquement ils ont pris un peu avec les années. Et du coup, oui, tout bon, du tout bon, foncé. Peut-être le prix qui est un peu cher, vu que l'éditeur n'a pas trouvé judicieux de traduire dans plusieurs langues autres que les grandes classiques le jeu. Et du coup, bah, pauvre français, il faudra faire de l'anglais, mais ça en vaut la peine, croyez-moi. Allez, on se retrouve bientôt. Moi, je vais me mettre là, hein, je suis bien.